La tournée universitaire à Isès, c'est un des étapes clés de cette tournée parce que nous sommes effectivement dans l'établissement thématique spécialisé qui a la responsabilité phare en ce qui concerne les statistiques et surtout le dénombrement ou sinon la quantification de la question qui nous emmène ici. J'ai interagi avec un auditoire éclairé, un auditoire motivé et engagé qui a été en mesure de répondre à toutes les questions et qui a été en mesure de réfléchir avec moi sur toutes les thématiques ou encore les problématiques qui sous-jacentes liées à notre thématique qui était comment générer l'emploi pour 90% de Congolais dans une période de 5 ans. Et les amis ont trouvé qu'ici, là, statistiquement parlant, qu'il fallait générer 71 400 000 emplois tous les jours, même le dimanche, sur une période de 5 ans, pour arriver à renverser efficacement la demande. Je suis ému, je suis positivement touché de voir que les étudiants tenaient très au sérieux les questions liées au développement ou encore au progrès de leur nation, notamment la thématique liée à l'emploi et à l'entrepreneuriat. C'est un devoir citoyen de pouvoir apporter des réponses aux problématiques fondamentales de la République. Et juste après, nous allons faire une conférence de restitution devant les gouvernants pour leur demander, illico, de réunir ou de convoquer l'Assemblée Générale afin qu'on puisse concevoir tous ensemble, avec toutes les parties prenantes, une stratégie nationale de réduction du chômage. Avec tout ce qu'on a dit aujourd'hui, avec l'initiative de l'ICR, si vraiment mes très chers amis étudiants de l'ICS, pourquoi pas dire parce que nous sommes tous étudiants. Je vais te interpeller dès que la créateur des entreprises. Pourquoi pas dire que nous avons des conditions. Tout ce que nous apprenons ici pendant notre parcours, on peut se faire de l'argent, on peut se faire de l'argent. Si seulement on marche avec ça. Une initiative ô combien louable qui éveille la conscience de la jeunesse que nous sommes. Je trouve que c'est un honneur, vu que nous avons, il y a longtemps, ici à Kinshasa, plusieurs universités, mais comme nous avons été sélectionnés pour faire partie de la liste des universités dans lesquelles se tiendront ou bien se tiennent les conférences, c'est quelque chose qui nous a beaucoup plu, qui nous a donné d'énergie pour pouvoir faire l'élite de demain, parce que c'est aujourd'hui ou jamais qu'on doit faire en sorte que notre pays puisse se développer. Et son initiative, personnellement, c'est une motivation pour moi afin de savoir comment générer aussi des emplois. Parfois j'ai cette capacité, mais je crois que j'avais un peu de pouce. Et lui, quand il est venu, il m'éveille, il me dit, mais voilà, tu as la capacité, tu peux le faire.